Eh bien, salut tout le monde, c'est Didi Walker, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va nickel, voilà. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et bah, en fait cette vidéo elle aurait pas dû forcément sortir. J'y pensais, je pensais à la faire, et en fait j'ai le copain Ghost Player, donc petite dédicace à toi copain, du coup qui m'a un petit peu, qui m'a dit ouais tu devrais faire une vidéo et tout. Et bon du coup j'écoute ses bons conseils, je me suis dit allez. Pourquoi pas vous faire quand même la vidéo, surtout que ce que j'ai pu rentrer est plutôt intéressant. Bah, comme vous pouvez voir dans le titre, donc du coup voilà, j'ai pu rentrer une nouvelle console édition collector, donc pour ma collection. En plus c'est une console que je recherchais. Donc franchement plutôt content, surtout au prix où je l'ai eu. Parce que normalement la console que j'ai, elle tourne facilement dans les. J'irai au minimum 80-90 euros, voire un petit peu plus. Et surtout que là, en fait, je l'ai rentrée, elle est complète en boîte et tout. Donc, franchement, je suis super content. Et du coup, j'ai pu avoir donc cette console sur le marketplace de Facebook. Donc, c'est rare en fait que je prenne des choses dessus. Je crois que c'est tout simplement la deuxième chose. La première, en fait, c'était une Wii que j'avais pu récupérer gratuitement. En pack et tout avec pas mal de jeux et d'accessoires. Donc d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai là ou là, je sais jamais le côté droite ou gauche. Enfin bref, voilà, vous aurez la possibilité de voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et du coup là en fait je suis tombé un peu au bon moment, au bon endroit. J'ouvre Facebook et là qu'est-ce que je vois? L'annonce qui pop. Donc directement j'ai contacté la personne. La personne a été super cool parce qu'elle a bien voulu me mettre la console de côté. Donc du coup là au moment où je tourne la vidéo. On est jeudi, la console je l'ai récupérée donc hier mercredi et j'ai vu l'annonce mardi. Voilà. Donc du coup j'avais un peu peur que la personne la vende à une autre personne tout simplement. Et non non la personne je lui ai donné ma parole, je lui ai dit écoutez moi personnellement j'ai qu'une parole. Si je vous dis que je vous prends l'article en question, voilà, il n'y a aucune raison que je le prenne pas. Et puis bah du coup voilà, avec la personne on s'est donné rendez-vous hier, donc pendant ma pause déjeuner. Je suis parti récupérer donc cette petite console collector et sans plus tarder parce que je pense que là vous demandez quelle est la console que j'ai rentrée. Et ben j'ai tout simplement rentré la 2DS édition Pokémon Soleil. Donc franchement je suis super content parce que depuis un petit moment je la cherchais et voilà bah, les prix grimpaient énormément. Donc voilà du coup là j'ai pu la voir pour 40 euros les amis, donc j'ai même pas cherché à négocier. 40 euros, une 2DS édition collector Pokémon, surtout du Pokémon les amis. On sait qu'en ce moment Pokémon c'est en train de grimper, un truc de fou, que ce soit les jeux, les cartes et j'en passe. Donc voilà, franchement super content. Donc elle est en boîte, je dirais quasi complète. Donc il y a le chargeur, bon, le chargeur je l'ai rangé parce qu'il rentrait plus dans la boîte. Donc du coup on va faire un petit peu le tour de la boîte. Donc là vous pouvez apercevoir ici en fait ou pas, je sais pas, j'ai mis un petit bout de scotch parce qu'en fait c'est un petit peu déchiré, donc c'est pas gênant, j'ai mis un petit bout de scotch et j'ai envie de dire ni vu ni connu. Donc voilà, donc la boîte elle est un petit peu cornée ici, bon c'est pas bien méchant. Hop, le moustique va-t'en. Du coup là un petit peu très légèrement cornée ici. Voilà, bon, la boîte est. Et pas voilà un petit peu abîmé ici, un petit peu même déchiré, mais bon honnêtement de manière générale voilà franchement elle est en super bon état. Et du coup bon je veux quand même vous montrer la console hein. Alors bon, j'ai un peu rangé, j'ai mis des petits trucs un petit peu pour meubler la boîte, voilà. Donc du coup moi je vous montre un petit peu, voilà hein, je vous dis il y a les cales, il y a tout, franchement elle est en excellent état. Alors attendez, hop. Désolé. Alors la console, moi j'ai pour habitude, je l'ai protégée. Bon, je l'ai mis dans du sopalin. Et comme ça, au moins, on évite toute mauvaise surprise. Donc, voilà la console, les amis. Franchement, elle est juste magnifique. Avec les petits boutons, la couleur bleu, jaune, vert, rouge. Franchement, c'est super beau. Le petit Pikachu qu'on voit juste là. Et derrière, donc on peut apercevoir les trois starters dont je me rappelle plus le nom. Si je crois qu'il y a Flamiaou, Otaquin, je crois, c'est ça, si je dis pas de bêtises, et l'autre, je sais plus. Alors dites-moi dans les commentaires, j'ai un petit doute. Pour un fan de Pokémon, vous allez me dire, oh, c'est pas bien, Didi New Walker, tu te rappelles plus.
Bon, c'est pas non plus l'une de mes versions préférées. Moi, je suis un ancien, donc moi, pour moi, les meilleures versions resteront les versions d'époque, donc la rouge, bleu, jaune et or et argent. Voilà, pour moi, c'est les best versions Pokémon. Donc voilà, donc franchement, super content. Et du coup, je vais vous montrer quand même que la console fonctionne bien. Alors, c'est en train de se lancer, désolé. Voilà, donc la console fonctionne bien. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de jeu dedans. Normalement, il y avait le jeu qui était, on va dire, préinstallé dedans. Mais pour ma part, en fait, j'ai remis la console à zéro. De toute façon, personnellement, je m'en fous. Le jeu, je le possède en version boîte. Donc voilà. Donc franchement, je suis super content d'avoir pu rentrer. Voilà, cette petite 2DS édition Pokémon pour 40 euros. Je pense qu'il faut bien le resituer, voilà. 40 euros, c'est un excellent prix, surtout quand je vois les prix qui sont pratiqués donc du coup sur Internet. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout du coup pour cette petite vidéo de présentation du coup de ma console que j'ai pu rentrer hier. Donc en tout cas, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Digin Walker. Ciao, ciao!